Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Quart de Cœur sur Zelda Skyward Sword. Aujourd'hui, je vais vous présenter un quart de cœur qui se trouve sur le Galion des Sables. Donc un donjon, le deuxième de l'Anel tout simplement. Vous allez voir que ce quart de cœur, on pourrait penser qu'il est manquable parce qu'il se trouve sur le bateau et le bateau coule en fait tout simplement après avoir terminé le donjon. En réalité, vous pouvez totalement revenir le chercher par la suite. Donc sachez que voilà, vous téléportez au port ancien et ensuite en reparlant au capitaine, il vous proposera soit de prendre le bateau, soit tout simplement de directement vous diriger au Galion des Sables. Donc vous allez faire ça tout simplement pour vous retrouver dans le donjon exactement pareil. N'oubliez pas de le revitaliser avec une petite flèche directement dans le chronolithe qui se trouve juste ici. Donc je considère que vous avez terminé le donjon, hein, bien évidemment. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir ma partie d'histoire. Donc moi personnellement je récupère ce quart de cœur vraiment très tard dans le jeu parce que tout simplement j'avais oublié de le présenter, mais ne vous en faites pas, je le place correctement dans la playlist juste après le donjon. Donc quand vous arrivez en haut, vous allez tout simplement emprunter la tyrolienne. Donc si jamais elle n'est pas là, n'hésitez surtout pas à tirer voilà sur la petite cible pour la faire venir tout simplement. Alors c'est vraiment cool, le donjon est déjà terminé hein, et vous voyez franchement je trouve ça vraiment super sympa parce qu'on voit la petite flamme sacrée et tout ça, c'est vraiment bien foutu. Ce petit donjon hein, quand il est terminé ça fait vraiment propre. En plus du coup il n'y a plus de monstres donc ça c'est vraiment sympa, on peut visiter le bateau directement comme ça. Vous empruntez cette deuxième, donc pareil si jamais elle n'est pas là, vous avez juste à tirer sur la petite cible pour la faire venir. Et là vous allez faire de même ici, d'accord. Normalement on active ça, vous voyez ça va nous permettre de poursuivre dans le donjon, mais on n'est pas forcément obligé de continuer avec la dernière tyrolienne qui nous mène vers l'arrière du bateau, d'accord. Alors du coup, on va l'emprunter cette fois-ci, ce qui va nous permettre d'accéder, vous voyez, à cette zone, qui normalement n'est pas accessible ici, et là, vous voyez que vous avez un petit point pour grappiner, alors je sais pas si on peut... Non, on peut pas grappiner d'ici, donc on va tout simplement sauter, oh là là, c'était magnifique. Vous allez sauter, vous allez prendre le petit point de grappin ici, et là, vous vous laissez tomber, et là, vous pouvez vous laisser tomber directement ici. Faites attention de mettre un petit coup de parachal juste avant. Là, vous voyez que ici, vous avez moyen d'utiliser la lyre, sûrement pour un petit mur où vous pouvez dessiner avec votre épée. Donc, n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez récupérer des cœurs, des flèches ou des bombes ou quoi que ce soit. Et ici, vous avez un petit coffre avec le quart de cœur. C'est étonnant, c'est un des rares Zelda où je vois des quarts de cœur quand même dans les donjons. Hein, c'est pas tout le temps le cas. Et donc, voilà pour ce petit quart de cœur supplémentaire. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas que pour ressortir, vous avez juste à faire ça, faire ceci. Si jamais, comme moi, vous revenez dans le donjon après l'avoir terminé, pour ressortir, n'oubliez pas qu'il faut réactiver le chronolithe. Il faut que le bateau soit tout simplement en version du présent et pas du passé. Là, c'est la version du passé, vous voyez, le bateau est en couleur, etc. Donc, vous réactivez le petit chronolithe et vous pouvez ressortir directement. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo sur Zelda Skyward Sword. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle. Allez, salut!